conseil départemental des Yvelines avec Versailles et Lady Ponche qui a pris un excellent départ. Alors qu'on vient maintenant et avec Superman qui a pris l'avantage devant Versailles du Ponche, Croxoris Colomba et là librement également. Alors qu'on va tenter de venir avec Daylight, c'est patiente à l'arrière-garde pour l'instant, avec Enzo Jouin et Irish Coffee. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et toujours une allure très régulière en tête avec Superman, Kazakh Madame qui a toujours librement l'avantage. Versailles Beauty Punch qui va tenter de venir en seconde position. On est en troisième position avec Imperia Bell qui a fait la jonction maintenant et de Light qui tente de regagner les rangs. Le même cas Irish Coffee qui patiente pour l'instant en dernière position. Les concurrents qui vont aborder donc à la phase finale de l'épreuve. Il va leur rester 350 mètres. À parcourir actuellement avec toujours en tête et bien Superman mais qui fait face aux attaques maintenant et ça se précise avec Versailles du Ponche notamment qui est en pleine piste et Croxoris Colomba qui vient d'accélérer qui sur une simple accélération prend la tête de l'épreuve. Il va rester maintenant 100 mètres à parcourir Croxoris Colomba qui repart le plus bien maintenant. Il semble avoir la course à sa merci. C'est Croxoris Colomba qui va faire parler sa classe et s'imposer juste devant Superman qui terminera second. Il est troisième avec Versailles du Ponche. Il y aura vite pour la quatrième place entre un des premiers clubs du parc et Imperia Bell. Bravo à Croxoris Colomba qui sous la selle de Noah Poton, le frère de Thomas j'imagine, oui, a pulvérisé l'opposition. Hein. On peut dire ça comme ça, sur une simple accélération, nous a dit notre commentateur préféré, effectivement il s'est détaché, elle s'est détachée, Croxoris Colomba.